Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Oriane, votre professeur de droit. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à la résolution du litige. Un litige peut être résolu de deux manières, soit de façon amiable, soit de façon judiciaire. Alors la résolution amiable, c'est tout simplement la recherche d'un accord entre les parties. Il existe un certain nombre de procédures, la conciliation, la médiation, où on va nommer une personne, où les parties vont choisir une personne et vont essayer de trouver tout simplement un arrangement en dehors des tribunaux. La résolution judiciaire, cette fois-ci, par contre, va faire intervenir un juge, donc l'affaire va être portée devant une juridiction. Cette juridiction n'est pas toujours la même puisque la juridiction compétente va varier selon la nature du conflit. Alors, on connaît les juridictions civiles qui sont là pour régler les litiges entre particuliers. Il y a également les juridictions pénales qui vont être là pour sanctionner les infractions. Les juridictions administratives sont en charge de régler les litiges entre les particuliers, les personnes privées, physiques ou morales, et l'administration. Et puis, il existe un certain nombre de juridictions spécialisées pour des conflits bien précis. Les prud'hommes, le conseil des prud'hommes par exemple, est là pour régler les litiges entre un salarié et son employeur. Le tribunal de commerce s'occupera et est compétent pour les litiges entre commerçants. J'espère que cette vidéo sur la résolution du litige vous aura été utile. Je vous invite à consulter nos autres documents, nos autres vidéos sur notre site internet. À bientôt chez DigiSchool.